Salut, c'est Fireflav avec Oliver Plasma. Salut Oliver. Salut Fireflav. Vous sentez bon de la bouche ce soir? Comme toujours. Yeah. Et nous sommes dans une vidéo défi sur Mario Kart Double Dash, Double Dash, Double Fun. Oliver va vous expliquer. Alors ce défi consiste à tout simplement prendre le kart le plus pourri, le plus moisi du jeu. Et en plus de ça, faire le grand chelem, donc les 16 circuits. Ouais. Et on a droit à 3 vies. 3 vies. Si jamais on est deuxième, on perd une vie. Voilà. Ok. Et en plus, on a un kart de mer. Donc faut être tout le temps premier. Un kart. L'objectif principal. En bois. Parce que, alors moi, je prends Donkey Kong, mais il a des bananes de merde. On va peut-être prendre plutôt la plante carnivore et boum, hein. J'en sais rien. Je sais pas, c'est un hasard, c'est un hasard. Ou peut-être les homosexuels voudraient choisir Luigi et Mario. Non. Chez ensemble. C'est vrai qu'il fallait pas le dire, mais tout est dans. Tout est dans ces phrases. Oh yeah. La plante carnivore, elle porte tout le temps chance. Alors. C'est parti pour le grand chelem. C'est la quatrième fois qu'on fait cette vidéo, nom de Dieu. Et on en a marre. Donc on veut réussir. En plus, j'ai épuisé tout mon stock de blagues. Allez, c'est parti. Alors, L et R pour que Fireflav frappe les adversaires. L pour la gauche, R pour la droite. Hein. Ouais. Pour ceux qui sont paumés sur la Wii. Gamecube. Voilà, cette vitesse. Oula, ah, aussi, faut que vous, ça sent le chaman là. Je vais expliquer les caractéristiques. C'est du shaman king. C'est du shaman king. Je vais faire une grande... C'est du shaman. Je vais faire une grande explication de cette magnifique. De ce magnifique kart. Je vais expliquer les caractéristiques. Maniabilité 0. Vitesse 0 et peinture de accélération. Zéro. Accélération 0. Accélération 0. Bon purée, attention au chien. Mais purée, qu'est-ce qu'il fait? C'est qui? La plante carnivore. On a piraté ma manette. On a piraté ma manette. La plante carnivore. La piraté, c'est pas possible. C'est faux. La plante carnivore pète un câble. Oh purée. Putain. Non. Putain, mais c'est pas vrai. C'est fait exprès, ces carapaces vertes qui vont partout. Balance. Yeah. Bon, ça, il nous reste encore un tour. Non, sérieusement, ce circuit est bien court. Bon, alors. Allez. Oh oui. Ça, c'est beau. Ça, là, t'appuies sur rien du tout. Ça, c'est pour mon père. Ça, c'est pour ma mère. Et ça, c'est pour. Jésus. D'accord. C'est un fait. Jésus est toujours contre nous depuis tout à l'heure, donc on est là. C'est Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Ils sont contre nous. Mange du pain et du vin. Oh yeah. Hey, check ça, check ça, check ça. Même si, pour tout vous dire, on n'est pas croyants. Bon, allez, on continue. On l'avait déjà réussi cette course avant, donc il n'y a pas trop de joie. Oui. Mais si on a réussi deux courses de suite. C'est déjà incroyable de réussir celle-là parce qu'il y a tellement de bastons dans celle-là, vous avez vu. Voilà. Trois carapaces vertes incroyables qui fonçaient vers nous. Oliver, cette course porte malchance à chaîne Oliver Flav. Cette course-là, elle est horrible. Voilà, il y a plein de voitures, il y a plein d'immeubles, il y a plein d'obstacles. Bah, pourtant, je me suis pris aucune voiture, mais le problème, c'est les bananes, les carapaces. Enfin, voilà, vous savez. Vous savez quoi. Et les virages. Oui, parce que maniabilité zéro cette voiture, voilà. Voilà. Ce kart. Il faut dire aussi dans la tête du mec qu'il y a zéro aussi. En plus de ça, c'est la moins rapide. Donc voilà, c'est vraiment le kart pour les professionnels. C'est-à-dire le kart de merde. Ouais, tout à fait. C'est pour le challenge. Oh purée. Oh là, c'est vitesse. Oh là là. Oh, ça c'est beau. Good chat. Oh, pour une fois qu'on a de la chance. Si ça se trouve, ça va être dans cette vidéo qu'on va avoir de la chance. Bon, je tourne très mal. Faire attention à la bombe. À la bombe. Ça se raccourcit, il est pas si bien ça en fait. Vite, derrière, mais purée. Pourquoi tu fais n'importe quoi? Alors regarde, je fais un truc bien là. Alors, putain, mais je... Oh, mais c'est quoi ce bug? C'est toi qui as balancé la carapace verte n'importe comment. Attention. J'en ai marre des bananes. Putain, mais t'es nul. T'es une vraie crotte. Si je devais esquiver la banane, j'aurais complètement foiré mon putain, virage. T'es vraiment comparable à une crotte de chien. C'est pas possible.
Moi, il est. Mais non, mais d'où il vient? C'est quoi ce truc? Ça vient de quoi là? C'est fait exprès en plus. On est pas dans Star Wars, merde! C'est quoi ce bordel? C'est quoi? Pourquoi? Je dis plus rien. Y'a pas de mots pour décrire cette situation embarrassante. Malheureusement. Voilà, on s'en fout là. On va perdre une vie. Quoi? Mais c'est de la merde ce qu'on a. Allez. Pour accélération? Oh yeah. Oh putain. Attention, faut le doubler. Oh, toi, balance pas ta carapace là. Oh, putain, mais elle a été contrée par une autre carapace. Duel de carapace. Et tout. Tu t'es trompé de cube. Oh, Olos. Elle vient juste d'apparaître. Ce cube venait juste d'apparaître, donc personne l'a posé. Nous venons de perdre une vie. Je suis mort de rire. Il nous reste deux vies. Et c'est reparti. De toute façon, ce circuit, il est impossible. Bon. Et pour mieux se concentrer, ça serait un peu mieux de plus parler. Ce sera moins fun pour nos chers téléspectateurs. Oui, mais il n'y a que moi qui parle. Ok. Oui, mais tu te concentreras bien comment balancer les objets. Hein. X et Y pour balancer les objets. Au final. Okay. Oh purée. Oh, c'est esquive. Oh purée, attention au chou. T'as un chien. Je vous ai raconté l'histoire de Chucky le chien. C'est un chien. Garde la carapace. Dans le monde de Gulli. Un chien très sympathique. Ouais, les bêtises. Ça, ils me font peur derrière. Là. T'inquiète pas, faut y enflammer là. Ouais. C'est pour ça que je m'inquiète encore plus. En fait, moi, l'objectif, c'est de niquer les derniers maintenant. Oh, oh purée. Coup de chat. Oh. Oh purée, encore un cube de merde. C'est bon, c'est pris. Avant-dernier tour. Entre les deux bananes. Oh là là. Ce cube, il est vraiment bien placé, par contre. C'est bizarre que zéro ordi le touche. Oh purée, il a un éclair. Il y en a un qui a un éclair. Ah, putain merde. Mais putain. Oh. Oh. Oh, ce bug. Oh, ce bug. Et ce bug, il est vraiment génial. Ce qui nous permet de gagner. Oh, le bon bug. Oh yeah. C'était gagné avant. Et c'est regagné. Ouais, c'est parce qu'en fait, quand on est touché par les carapaces bleues, notre hitbox est mis en off. Et donc, on se fait pas toucher pendant au moins une seconde, je crois. Notre Xbox. Hitbox. Ah, ok. Chérie. Faut tout apprendre à ce jeune joueur. Ma PS3 a failli avoir une overdose. À cause de ce mot. Xbox. Oui, et puis sur PS3 avec son FIFA, c'est pas avec ça qu'il va aller loin. Non, FIFA, Silent Hill, Assassin's Creed, oui, Assassin's Creed. GTA 4, dans quelques années le 5. C'est normal qu'il avance à 2. Putain, mais c'était quoi ça? J'ai rien compris. Mais j'ai une grosse pente et on peut même pas défoncer les autres, quoi. C'est n'importe quoi. C'est la voiture la plus légère du jeu. C'est pas possible. Pourtant, c'est une carte. Il est bien gros ce carte en bois. Mais bon, c'est peut-être parce qu'il est en bois, donc voilà. Attention au geyser. Oh! Bah. Oh! Balance. Mais, j'ai rien compris. Non. Bon, ça va, ils sont juste tout près. Bon, attends, garde le champignon. Je te dirai quand l'utiliser. J'ai un super raccourci. Par contre, je vais pas prendre le raccourci au début que j'ai pris avant. Parce qu'il y a trop de. Purée, mais. J'aurais dû le lancer avant. Ouais, pas te faire confiance. Finalement, je vais prendre le raccourci d'avant. Sauf si lui me défonce. Non, balance pas ma banane ici. Aïe! Putain. Bon, laisse tomber. Putain. Allez. Putain. Rien que de prendre les chemins normaux, les chemins principaux avec cette voiture, c'est déjà un calvaire. C'est. Oh, beau gosse. Désespéré, tellement désespéré qu'il a acheté un carte en bois, notre plante carnivore. Bon, allez, on prend pas le raccourci, ça me saoule, il y a tellement d'éclairs ou de conneries. Mais non! Oh, accélération, t'as vu le raccourci de Malène? Bon, ça, ils sont pas si loin devant, c'est que je vois pas le premier. Ah, si, là. Si, en bois.
Allez, quoi, on éclaire ? C'est l'occasion de doubler tout le monde. Allez, c'est ton occasion, c'est ta chance. Oh, il avance à deux alors, ça c'est beau. Allez, on prend le chemin normal, même s'il va être difficile avec ce kart. Oh. Mais c'est... ça passe, ça passe. Ça passe ou ça casse, mais là ça passe. Encore attention au geyser. Et n'écoutons pas Firefly chanter. Ça déconcentre. Mais c'est magnifique. C'est si profond, c'est si mélodieux. T'as des larmes, mon chou. T'as des larmes. Oui. Ah, on est arrivé. Yeah. Oh, check ça, mec. C'est la première fois qu'il nous reste encore deux vies à ce stade-là. Compétition. Il nous reste combien de courses? 11. J'ai peur. Je crois que oui, un truc comme ça. Nous sommes à 11 minutes et c'est à peu près une heure à faire toutes les courses. Nous reste 11 courses. Ouais. Donc gardons espoir avec la banane aussi. On sent le stress de la manette. Mais non, pas les boutons et les rires. Je vais faire ressentir aux téléspectateurs le stress qu'il y a dans ma manette. Pas les boutons et les R, purée. Oh putain. Le stress, le stress. Je fais plus de virage. C'est pas grave, c'est le premier tour. Non mais même, il faut être en avance déjà dès le départ, c'est déjà bien. Ça c'est bien, déjà on a un bon truc là pour une fois. C'est beau. Oh yeah. C'est incroyable, on n'est pas en mode malchance man là, ça c'est bien. Si, regarde. Wow, ouais. Ah, j'ai été piraté encore. Si. Oh purée, il a balancé une carapace orange puis quand une autre a doublé. Putain mais ça c'est une tête à queue, non pas une tête à queue mais... Une tête de queue. Non. Une tête à queue c'est quand on tourne complètement, mais là on a pas fait ça. Hein. Mais je sais pas ce qu'on va faire en fait. Purée c'est con d'ordi là, à chaque fois ils sont plus forts que nous. Même pourtant on a une plante carnivore quoi, c'est pas rien. C'est quand même une plante avec des dents. C'est exceptionnel. Ah, beau gosse. Purée, j'en ai marre. Il nous reste 2 vies. Oui. Il nous reste 11 circuits. C'est le dernier tour. Et c'est le dernier tour et nous sommes 3e. C'est encore possible. C'est encore possible. Oh, champignon. Attends, utilisez. Là. Encore. 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 Oh, c'est un raccourci. C'est un raccourci, beau gosse. Oh. Il a fait putain, ça l'a frôlé. Ça l'a frôlé, mon dieu. Il faut que les plantes carnivores le touchent. Non, pas de bol. Les plantes carnivores, vous êtes pas. Si vous croyez en Dieu, c'est le moment de l'invoquer. Oh putain. Oh putain. On ne parle pas de Dieu. Quand on parle de Dieu, on perd tout le temps. Oh oui. Check ça, mec. Yeah. Enfin. L'aventure continue. Et nous avons encore 2 vies. Circuit suivant. Et il nous reste 10 circuits à faire. Et là on est à fond, on est à bloc, parce qu'il nous reste encore 2 vies. Et... Oui. Et que c'est le circuit Luigi, t'avais dit avant. Hein. Ouais, c'est circuit Luigi. Circuit Waluigi. Curie. C'est l'un de mes circuits préférés, donc c'est pas le moment de se planter. Il y a un grand écran en fait. Oui, t'avais pas marqué. C'est assez révolutionnaire. En 2005, mettre des grands écrans. Même en 2002. Il y avait le cinéma déjà. C'est vrai. Putain, mais t'as eu quoi là? Bah, une carapace orange de merde. Oh purée, pas ça. Je peux pas sauter pour les éviter. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui là? Attends, mais. Pourtant, on est avec la plante carnivore et on se fait défoncer par un petit Diddy Kong. C'est n'importe quoi. Là. Et ouais. Ça c'est la triche de l'ordi ça. Parce que si c'était un joueur, ça aurait pas fait la même chose. C'est bon, on va être premier là, je le sens. Parce que normalement c'est les persos les plus lourds et les plus puissants qui défoncent les plus petits. Et Diddy Kong il fait partie des plus petits persos. Curie. Ah ça c'est beau. On les a touchés en plus. Là on est vraiment bien parti. Sauf s'il fait ses coups de poing. C'est pour mieux prendre le virage. Sauf s'il est piraté. Oh
Là pour l'instant il n'y a pas trop de fail, c'est bien. Ouais, c'est parce que je me concentre sur ma course. Tu dis rien, c'est surtout ça. Ouais. Oh putain. Oh, l'esquive de la grosse banane. C'était nous en plus la grosse banane, je crois. Non, non. Moi j'ai une grosse banane, mais c'est pas dans le jeu. Oui, oui. J'ai cru qu'on allait arrêter ces conneries. Pour l'instant, on conduit plutôt bien. Une carapace orange qui s'est scratchée, je sais pas où. Mais on a un max d'avance. Hein. Je rêve ou on a une avance de psychopathe. C'est oh non. Je pense qu'on pourra même ralentir un peu pour pas trop les laminer quoi. Ça se fait pas. Ça se oh, fait purée, pas. Oh non. Mais accélère, accélère. Non. Mais je suis à fond sur toi. Oh yeah. Oh purée, et si on était tombé dans le trou, si la carapace bleue était venue juste une seconde avant, on serait mort. Mais non, il ne resterait plus qu'une vie, c'est tout. Là, il nous reste encore deux vies. Non, mais moi, j'ai. Pour moi, c'est. Les vies, c'est comme dans Bilbo le Hobbit avec mon précieux anneau, là, tu vois. Mais oui, mais là, sauf c'est précieux, ouais, les vies, c'est précieux. Mais là, il y a trois vies, il n'y a pas trois anneaux. D'accord. Dans le Seigneur des Anneaux, il n'y a qu'un anneau. Oui. L'anneau de pouvoir. On peut disparaître avec l'anneau. Eh oui. On peut se le mettre au doigt. Oh putain. À n'importe quel organe, on peut se le mettre là. Oh putain. Oh boss. Mon dieu, boule de feu de merde. Boule de feu de merde. La piscine. La merde. Voyons la piscine. On est tombé dans la piscine. La piscine pleine de lave. La lave, c'est pas de la lave comme on se met dans les cheveux. Ok. Ok. J'ai rien à ajouter. Acceleration. 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 Oh purée. Boule de feu. Ah, j'ai pas envie de prendre le raccourci. Ah purée, bah j'ai bien fait de pas le prendre. Ouais. Oh, ça s'appelle anticiper. Seuls les grands joueurs peuvent anticiper. Mais putain, mais d'où il vient lui? Bah là j'ai pas anticipé ça. Il vient du monde de Mario, il me semble. Donc lui, Bowser est bourré. Ah non, c'est Mario qui conduit. Ouais. Bowser avec Mario. Donc c'est la meilleure équipe du monde. Champignon. Champignon. Allez. Alors vous savez comment on dit champignon en anglais? Oui, oui, c'est bien. Mushroom. C'est très bien. Accelerations. Oui. Bien joué, hein. Plante carnivore là. Oh, elle est en forme là. Elle met tout son poids sur. Attention, le... attention, oui, oui, ça c'est bien, ça c'est bien, plante carnivore. Elle a vraiment beaucoup de personnalité cette plante. Calme-toi. Oh c'est bien. Allez, fais plus rien, je vais prendre le raccourci. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ça va, il nous reste encore un tour. Non, non, on peut se dépenser un peu. Pas vers la boule de feu. Il a pété. Stress. Non. Firefly stresse beaucoup dans les vidéos. Oh là là. J'hésite à mettre cette banane par terre. Elle mourira sûrement, mais. Tant pis. Elle mourira sûrement. Oula, mais c'est quoi ça? Vu comment j'ai esquivé la banane. Je voulais aller vers la gauche de la banane, pas vers la droite. Mais bon, grâce à ton coup de poing, on a fait la moitié du freestyle. Mais complètement. Furine. Non, pas vers le trou. Pas vers. Ah oh, mais pourquoi tu te prends les murs à chaque fois? C'est fou ça. Oliver se prend que des murs. C'est parce que toi t'arrêtes pas de taper. Voilà, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a une boule de feu? Pourquoi t'as fait les... Mais non, on fait rien là. Putain, mais pourquoi t'as ralenti? C'est quoi le blême? Et c'est parce que j'allais tomber. T'es coincé ou quoi? C'est parce que t'as failli me faire tomber avec tes coups de poing de merde. On a plein d'avance de toute façon. Bon allez, pour le fun. Oh oh! Non, je voulais tomber! Je voulais tomber en faisant arriver ces téléphones. Ok. Tiens. Tomber dans la flotte en même temps, t'as marqué arriver. Ça fait classe. Je rêve ou il nous reste encore deux vies? C'est incroyable et on a 64 points, mais. Mais. Je rêve! Mais. Mais quel est ce monde où nous vivons?
Nous sommes à 8 sur 16. Nous sommes à la moitié. Qu'est-ce qu'il a le papy Mougeau là? Il veut dire quelque chose. Le papy Mougeau. Papy Mougeau. L'équipe Papy Mougeau avec Oliver Plasma. Fireflav, Orb, la plante sauvage. Attends, ouais. Tu balances toujours au mauvais moment les objets, c'est pas grave. Mais c'est parce que je suis imprévisible. Oui, comme Naruto. C'est vraiment un des meilleurs gamers du village. Allez, de mon village. Des fois t'es le plus nul, des fois t'es le meilleur. Donc voilà, ça change tout le temps. Tellement imprévisible ce mec. Ceci dit, il n'y a qu'un gamer dans mon village, c'est moi. Parce que dans ton village, je crois qu'il préfère la ferme. Quoi? T'oses insulter? Les vaches. Il y a des vaches aussi dans Mario Kart. Oui, c'est bien, il y a une prairie meubeux. Ouais. Non, pas dans celui-là. Allez. Oh purée, je voulais prendre le champignon. Je roule sur le sable, c'est pas terrible. Même si on est aussi sur le sable ici. Oh, saute. On peut pas sauter. Ah oh, purée, mais non. Putain. Mais c'est n'importe quoi. Il nous en veut vraiment, hein, Mario et Bowser. Il nous en veut. Purée, une carapace orange de merde. Ah, il nous en veut vraiment parce qu'il l'a balancé derrière la carapace orange. Boo là déjà. Alors que Boo il est deuxième. C'est n'importe quoi. Ben voilà, il le refait. C'est vraiment des enfoirés en fait. Ils sont tous ensemble. Hein, ils collaborent. Hein. C'est vrai que ouais. Ça fait. Quoique la carapace bleue, on sait jamais. Ça fait vraiment du mal à voir. Non, non, je préfère garder la carapace orange pour si jamais il se passe une grosse merde. Ah, si jamais il fait une queue de poisson, il te passe devant et retournement de situation. Ça pourrait être chaud. Si jamais on fait une tête à queue, quoi. Ça pourrait être chaud. Oh yeah. Si on se prend l'internet, par contre. Je l'annonce. Non, on l'aurait perdu. Vite, balance la derrière. Oh! Oh là là! Une anticipation alors qu'il y avait même pas de check ça! C'est bien parti, c'est bien parti! C'est bien parti! On va y arriver! Là, là vous voyez! On stresse un peu moins! Il y a du stress, il y a du stress! Non, un peu moins! Je suis obligé de cracher sur la manette pour pouvoir avoir une bonne maniabilité des doigts! C'est ma dernière manette de GameCube, 2006, alors non! On s'en fout! On s'en fout, j'ai envie de dire! Donc, ouais! C'est important d'avoir une bonne maniabilité au niveau du pouce pour bien diriger son personnage. Et moi j'ai la toute première manette, la plus belle, la plus magnifique, avec le stick directionnel qui a été à moitié amoché. Oui. Il y a des millions de personnes qui ont transpiré dessus. Voulez-vous la prendre ? Je ne vais pas comprendre, vous, chers téléspectateurs. Ou téléspectatrice. Bien sûr. Je l'ai dit mal là. Spectratratrice. Je l'ai dit en vrai, c'est normal. Non, c'est pas facile à dire. Je le conçois. Purine. Oh là là. Oh, fail. This is a fail. Ah bah ça y est, ils sont juste à côté. Oh. Bowser a fait une tête à queue ou quoi? Un combat de nains. Comme dans le Seigneur des Anneaux. Seigneur, c'est bon. Il s'en fout quoi. Voilà. Connard. Vous savez comment on dit champignon en anglais? Mushroom. Oui, bah c'est bien, tu l'as déjà dit. Après moi. Mushroom. Tu l'as déjà dit. Mushroom. Oui. C'est vrai. Banane en anglais? Banana. Répétez après moi. Wow. Banana. Banana. Ça veut dire qu'on n'a rien à dire. Nous pouvons passer le pont. Grincheux nous laisse passer. Ça se voit qu'il y a beaucoup regardé Dora l'exploratrice. Dora. Oui, babouche. Il y a un obstacle. Un champignon nous coupe la route. Oh, allons parler au champignon. What is you stuck, you fuck? Bon, après, j'ai plus de dialogue, alors je me suis arrêté. Oh non. Pourquoi je suis avec un joueur aussi maboule? C'est parce que tu veux gagner cette course fantastique. Purée, il me semble si loin, ce con. Il me semble si loin le jour où nous gagnons à nouveau. Balance, balance. Je suis pas une balance. Le rack
poursuit de la vie. Ah là, il regarde, il est juste là. Champignon. Acceleration. Attention, banana. Vous voyez que même avec les plantes carnivores qui prend toute la place de l'écran, on arrive quand même. Yeah, Karate Kid. Il y a un postillon sur le téléphone. Je peux en rajouter un? Non. D'accord. C'est dégueulasse. Fireflav va cracher dessus. Il nous reste 2 vies et nous avons encore un total de 6 courses à faire. Est-ce possible ou impossible? Impossible. Bon, ça va là, c'est possible. Le premier défi de la chaîne Oliver Flav relevé. C'est sûr qu'avec un moustache de 3 jours de Fireflav, ça va marcher. Yeah. Des poils qui sentent bon. Des poils qui sont sensuels. Des poils qui vous feront chavirer la foufoune. La foufoune qu'on a sur la tête. Oui, non. Oui, on a eu des cubes. D'accord. Je la garde pour me protéger. Bonne initiative. Non. Mauvaise initiative. Oh! On était touché par quoi après? J'ai rien compris. Un truc. Oh, il y a des canards. Bon bah, on verra peut-être ça dans le montage ou peut-être que vous, chers téléspectateurs, vous allez le voir. De quoi? Par quoi on était touché? Je suis interloqué, moi. Tu crois que les téléspectateurs vont se faire chier à faire un ralenti pour notre vidéo de merde? Et ils vont pas être rendus là déjà. Oui, c'est sûr. C'est... Purée, non! Une peste. Champignon, vite! Une personne sur deux va sûrement zapper à la 30e seconde. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas commencé à jouer. Tu veux pas dire 9 sur 10? On n'aura même pas commencé à jouer qu'ils seront zappés. Qu'ils auront zappé. À part bien sûr Brandon Passeur. C'est notre plus grand fan. Ouais, c'est vrai. Bon, par contre là, on fait vraiment des fails là, purée. C'est pas vrai. Champignon, champignon! Mais balance-les! Balance-les à la trappe, purée, ça me saoule. Putain, on a plus qu'une vie. Oh, Samsung Galaxy. Ça va mettre du sel et du poivre dans le défi. Oui. Alors, nous sommes à 90 points. Oui. Il ne reste plus qu'une vie. C'est magnifique. Il reste 5 courses. Ok. Sans commentaire. Attention. Et nous avons plus qu'une vie. Et en plus, dans celui-là, on était tout en dernier. Super. J'aime ce circuit là. Moi je l'aime pas trop. C'est le circuit malchance man. Quand t'as pas de chance, tu fais ce circuit. Et tu sens la chance diminuer dans ta tête. Tu as des sueurs chaudes. Tu n'es plus toi-même. Tu es tellement déprimé que tu vas jouer à Rome Total War. Non, j'ai fait. J'ai très mal pris. Je risque de faire un truc qui va te décevoir. Non, pas ça. Appuie sur Z. Appuie sur Z. Appuie sur Z. S'il te plaît. Appuie sur Z. Pourquoi elle avance pas vite? Mais parce qu'elle est comme ça, t'avais pas remarqué. Oh putain. On se fait. Mais c'est quoi ce. Oh, oh mais c'est quoi mais ce. Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, fallait avancer plus vite pour pas tout se prendre après. Bon, au moins, on va pas couper cette vidéo même si on fail, parce que franchement, c'était mémorable. Il nous reste une vie, ça va. Ouais. Oh purée. Putain, oh bon gosse de connard, de salope. Je déteste les champignons dans ce circuit. Vous l'avez dit, ce circuit est terrible. Il peut arriver des choses inhabituelles, comme Fireflav qui prend les commandes. Oui, voilà. Les chimes. Allez, balance, balance, balance. Balance-toi, balance-toi, voilà. Balance, man. Il avance à 2 à l'heure. J'en ai marre. Pourquoi on a une voiture aussi pourrie? Ah, c'est parce que moi j'ai décidé ainsi. Gosse. Allez. Dieu est pas parmi nous. Vous avez un coup de chance. Ouais, c'était moyen quand même. De toute façon, un coup de chance ou pas, là. Il nous reste. Ce circuit exactement est impossible. 0 vie. Et c'est encore possible si dans les 5 dernières courses. Dans les 4 dernières courses sont finies premier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sachant qu'il y a la route arc-en-ciel à la fin.
Voilà. Fireflav stresse tellement que ça sort par sa bouche. Maintenant les renvois. Putain de merde. J'aurais dû tuer John avant. C'est un extrait de mon nouvel album. Oh non. Il n'y a aucun album et il parle d'album. Oh, je sens que ce cri d'oiseau va me mettre vers la victoire et aussi ce paix magnifique dans son ensemble. Digne de Total War. De rendre Total War. Digne d'un bruit 8 bits. Voilà. C'était une comparaison assez osée. Putain, je comprends l'avoir raté. Oui, t'as failli. Par contre, t'as presque pas raté la bombe. C'était beau. Ça aurait pu faire quelque chose de Nous, dedans, pris dans l'explosion. Mais maintenant, on n'a plus le choix. Encore une bombe ici. J'ai préféré prendre le camion que la bombe. Je pense que c'est un peu mieux. Bon, bah là, il y a tellement de bagnoles que. Purée, le trafic. Attends, qui nous passe devant, et là. Oh yeah! Bien joué! Oh yeah! Mais purée, d'où il vient lui? C'est qui lui? Tu te demandes comment il avance aussi vite. C'est vraiment un jeu qui alors, se il avance hyper vite alors qu'il fait plein de zigzags. Je comprends pas, moi. Ils ont un bon kart, c'est pour ça. Ouais, aussi parce que c'est des ordi, alors c'est cheaté. Voilà. Nous, on a un kart fabriqué en bois et en branche de bambou. C'est normal. On n'avance pas. Oh là là. Et c'est un véritable défi parce que. Sérieusement, je le fais avec un superbe kart. Bah franchement, il n'y a presque aucun défi. Bien sûr, c'est cette merde. Putain, il est juste derrière nous. J'ai peur. Il vient de se prendre la banane. Oui. Check ça, mec. Check ça. Yeah. Je suis tellement content que ça me donne envie de taper. De taper Fireflav, même s'il a des lunettes. Voilà. J'ai des lunettes. Oui. Personne ne peut me taper. Oh là. La course Yoshi est pas mal aussi. Il nous reste 4 courses. Oui, on voit chaud. Tellement bien que c'est en miroir que c'est écrit à l'envers là. Comme dans un miroir. Donc il y a un petit raccourci mais je le prends pas parce qu'il faut avoir un champignon. Exactement. Très judicieux. Alors il a une banane de merde lui. Mais c'est quand que tu la balances ta banane, purée. Ça va, c'est Bowser qui s'y prise en plus. Putain, c'est bon. C'est le premier. J'attends le moment le plus judicieux. Putain, et ça la rate, c'est fou ça. Mais ça la rate tout le temps, c'est de la merde cet item. Par contre, ça rate pas nous après. Purée. J'ai loupé. Pardon. On garde le champignon. Purée! Je voulais prendre mon raccourci. Parce qu'en fait, on gagne carrément 3 secondes avec ce raccourci. En plus, il est super facile à prendre. Les raccourcis, c'est pour les tapettes, ok? Merci. Voilà, au lieu de faire ce virage à 2 balles, on aurait pu prendre le champignon et aller tout droit. Super facile à prendre ce raccourci en plus. Putain, mais. Bah, t'as vu comment c'était inesquivable, il y en a partout. Oh, j'ai esquivé une carapace verte de merde. Oh, putain. Ils sont vraiment énervés derrière. Ils ont vraiment la haine en eux. Faut vraiment faire gaffe. Hein. Même après la course. Bah non. C'est pas vrai. Même après la course, faut faire gaffe de pas les. De mais pas c'est les pas croiser. Possible, il y en a encore une. Putain, mais c'est quoi ce truc là? Ils peuvent pas être verts pour une fois. Les bananes qui sont toujours en plein milieu, c'est magnifique. Alors. Faut pas qu'on perde, hein. Putain, mais t'as fait quoi là? Je voulais que tu tires sur la banane. Enfin, le dire avec des mots. Avec des mots, faut me dire. Oh putain! Et en plus, on a une carapace verte 3ème, c'est n'importe quoi. Ah, mais non! C'est quoi ces bolos là? Pourquoi ils sont encouplés? Je comprends pas moi! Vite! Qui se sépare là? Ok. Voilà. Et franchement, ceux qui regardent la fin de la vidéo pour savoir si on a gagné ou perdu. Eh ben on l'a perdu! Eh ben. Putain, mais accélère! Mais ils se sont spoilés parce que là, on est vraiment en stress. C'est quoi ce bordel? Mais non, il y a encore une carapace derrière! J'en ai marre, pourquoi on gagne jamais? Mais on a gagné plein de fois, mais là, c'était la fois de trop. Peut-être qu'avec un. Mais putain de. Je parie qu'on allait avoir une étoile ou un champignon, une connerie comme ça. Puis
Non mais là, dur. Trop dur, quatrième. Mais d'où il vient? Le voilà. Défi est officiellement raté. This is fail. A fail. Mais nous allons quand même terminer. Bien sûr. Pour espérer finir premier. Ce qui sera assez facile quand même. J'en ai marre de cette malchance ultime qu'on a eue dans ce circuit. Ouais. Ça m'énerve. Que Dieu soit avec nous au prochain défi. Là, il était contre nous, c'est sûr. Purée. C'est pas vrai, il faut faire des défis faciles, quoi. Mais si on aurait réussi, imagine, ta vie aurait changé. Ta vie aurait changé si on l'avait réussi. Balance derrière, j'ai dit. Pas devant. C'est pas mal. Il pète même quand on a fait. Même quand on a perdu le défi, il pète encore. Décidément. Mais c'est quoi ce grillage là? Un animal va pas derrière un grillage. C'est quoi ce bordel? Oh, les phrases cultes de Firefly. Tellement désorienté là, je sais plus quoi faire. Oh, spécial! Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais dans ce Mario Kart, oui, faut souligner maintenant qu'on a perdu. Dans ce Mario Kart, tous les personnages peuvent avoir une spécificité au niveau des objets. Par exemple, Donkey Kong a l'objet le plus pourri, la banane géante. La plante carnivore peut tout avoir, comme vous. C'est les deux meilleurs, quoi, en gros. Et Toadette, par exemple, c'est les champignons jaunes. Les Koopas, c'est les trois carapaces oranges ou trois carapaces vertes. Donc bon, c'est une bonne trouvaille de Nintendo. Oliver, on a déjà fait un vidéo test de Mario Kart Double Dash. Mais il était tellement pourri que je me suis dit, voilà. Putain, mais elle va jamais se casser les gueules. Surtout qu'avant, je parlais quand même... Bon, ouais, je parlais très mal. C'est vrai? Mon vocabulaire n'était pas assez... Adéquat. Adéquat, ouais. Maintenant, je suis plus le même. Je suis plus du même à Kaby. Mais on est toujours deuxième. Ouais, ça c'est le tir raccourci, hein. On va un peu à gauche. Voilà, toujours la pente carnivore qui fait ma boule. Non, arrête! Super virage, t'as vu le virage au manon? Oui, c'était un virage à moitié. Soit tu perds, soit tu réussis. Oh là, carapace de merde, vite! Oh, balance. Oh, beau gosse! T'as mis trois plombes à la balancer! Par contre là, si ça va. C'est bon. Bon bah, on va pas attends, dire. Mais franchement, si on est premier tout le temps à la fin, là, je m'énerve. Y'aurait pas eu de check ça ou de choses comme ça là, parce qu'on a déjà perdu. Mais on fait ça pour le fun. Pour le fun, et parce que on est à 38 minutes et nous on a envie de faire une heure. Non, je pense pas que Firefly va trop. Enfin, 38 minutes ou une heure, ça fera 10 vues quand même. Voilà. En gros, c'est casser le cul à faire une heure pour rien. Et à recommencer la vidéo 4 fois. Aussi. Alors qu'on aurait pu jouer à Silent Hill. Regarde l'écran si tu préfères. La saga Silent Hill qui recommencera bientôt sur la chaîne Oliver Fred. C'est n'importe quoi. Mais non! Oui, même si je pense que cette vidéo sera mise un peu plus avant Silent Hill, parce que Silent Hill, je sais pas comment. Mais là on est en cours de la réaliser. Là. En cours? La réalisation est en cours. Mais oui, mais c'est une surprise! C'est plus trop une surprise. Faut pas spoiler, pas de spoil sur mon site. Balance! Oh, mais non, mais. C'est toi là, ça coûte. Elle tourne tellement mal. Il y a un chien derrière toi. C'est pour ça que je me mets sur le mur. Balance derrière. Cette vitesse de fou. Alors on voit vraiment qu'on dépasse vraiment les 80 km/h. 80 quand même. Ouais.
Mais putain. Putain. De toute façon, on s'en fout, on reste premier, ouais, même si on est troisième. C'est pas une équipe de choc, hein. Ça se voit. Non, mais c'est juste parce qu'on a une carte minable qui sert à rien. Ouais. Okay, excusez-moi, merdique. Bon, je sais, c'est un très gros mot. Et... Bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment choquant parce qu'on est en train de faire Mario Kart. Donc voilà. Encore si on faisait Silent Hill avec l'histoire des. Non, pas de spoil ici, pas de spoil. Non, spoil. La grande histoire d'amour avec Barbie, voilà. Barbie au lac des signes. Barbie et la chèvre magique. Balance. Balance. Chose. Balance. Ma manette. J'avais posé ma manette, excusez-moi. On voit vraiment qu'il est plus du tout à fond. Vais-je faire une accélération? Il est tellement en dépression, Firefly. Ou un cubage. J'ai choisi le cubage. Firefly est tellement en dépression, là. Bon, voilà, on est quand même premier. C'est déprimant d'être premier et d'avoir tout un abandon. D'accord. Franchement, on aurait dû mettre une caméra, là, en même temps. Ouais, ça aurait été fou. Ça aurait été fun de nous voir gueuler et défoncer tout. Même le portable d'Oliver Pesma. Il y a eu des chocs. Bah, il n'y aura plus de son. Oui, mais on a craché dessus, mais vous ne voyez pas, mais on a postillonné dessus. Ouais, il y a toute notre sœur qui est tombée sur ce portable. Oui, c'est dégueulasse. Et puis j'ai été pissé tout à l'heure et je ne me suis pas lavé les mains. Et il a touché le portable. Et oui. Et la manette aussi. Très bon souvenir qu'Oliver va pouvoir appuyer sur champignon. Avoir en rentrant chez lui. De la pisse périmée. Oh. C'est encore pire que de la pisse de chat. Purée, mais j'en ai marre. Hein. Pourquoi il y a une ville en dessous là? Bah, pour que ça fasse plus réaliste. Il n'y a pas ça sur la DS. Sur DS, c'est moche. Ok. Non, mais. Non, pour un jeu de DS, il est très beau, mais pour un jeu sur console, on va dire, même sur Nintendo 64, c'est pas très beau. Sur Nintendo 64, c'était mieux fait, mais... Alors que sur Nintendo DS, on va dire qu'on est un peu dans les choux, quoi. Oh, yeah. DS. Ils vont encore plus vite que nous alors qu'on est en étoile. Ouais. C'est n'importe quoi. Alors... C'est beau le magnifique virage avec le petit boost. On peut faire qu'un petit boost hein, dans cet épisode. Parce que quand les flammes sont rouges, il n'y a pas de boost. Ou jaune. En l'occurrence. Je t'ai mis en difficulté là. Non, j'ai fait un magnifique virage grâce à ton champignon. Tu me remercies. Merci beaucoup Fireflame. Yeah. Pourquoi t'as pas fait ça avant Parce que j'étais bourré. Et mon foie a tout éliminé. Si vous aussi vous avez des problèmes d'alcool, appelez le 3606. J'ai l'impression que quand t'es pas bourré, tu dis encore plus de conneries. 3606. Vous êtes alcoolo, appelez-nous. Yeah. N'importe quoi. C'est vrai que c'est vraiment très gay pour un numéro pour les alcoolos. C'est pour leur remonter le moral. Surtout que, écoutez-moi cette musique! Ça n'a pas trop de rapport. D'accord, on l'a écouté en 2 secondes. Non mais voilà, c'est... Pour le fun. C'est un remix des routes arc-en-ciel dans les anciennes Mario Kart. Ouais. Depuis toujours... La course route arc-en-ciel a toujours eu le même thème, et ça fait plaisir parce que ce thème est excellent ici. Ouais, ce thème a été repris notamment dans Battle Ketos, il me semble. J'en ai pas du tout. Merde. On voit le connaisseur. Je lui ai donné une information et puis elle a été vraiment pas fou. Oui, bah, c'est comme quand tu dis des trucs assez concrets, assez concrets et assez compliqués alors que... En réalité, tu dis n'importe quoi. Voilà, la plupart du temps, c'est faux. C'est ça qui est fun. Je vais lancer ma carapace. Vous êtes prêts? Ouch. Oui, par derrière, ça sert un peu à rien. Parce que juste derrière, il y avait le canon, là. Où... Mais en plus, ils sont bien derrière, donc voilà.
Purée, non, arrête, arrête, c'est horrible. Oh, 44 minutes, enfin, en comptant l'intro, 45 minutes 30, ça va. Oh, mais j'ai cru qu'on allait mettre 50 et quelques minutes. Finalement, on a mis pour moins de temps quand même. Et la remise des prix. La remise des prix avec cette première place. Mais le défi n'est pas relevé. Bah oui, le défi, c'est un gros fail. Nous avons la loose. Ça me fait chier. Va donc aux toilettes. J'y vais. Et donc, je vais finir tout seul la vidéo. Je ne sais pas comment éteindre ni le portable. Ouais, je suis de retour. Oui. Oui. Et donc, le défi n'est pas relevé. C'est encore un échec pour Oliver Plasma et Firefly. Total. Et Oliver Plasma va vous le dire, le mot de la fin. À la revoyure pour de nouveaux défis avec Fireflav, la force du feu.